Salut la VMV, comment vous allez dans le chat? Ça va bien tout le monde? On se retrouve pour le 4e Grand Prix de cette saison à la Liga PlayStation, toujours accompagné du magnifique Brady. J'espère que tu vas bien mon cher Brady. Bonsoir à toutes et à tous, ben écoute, bonsoir le pack, ça va très 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 bien. Après un super week-end, une super course hier, un circuit des Amériques que j'adore, enfin bon bref, tout va bien. Oh oui, on va avoir de belles choses ce soir. Un circuit pas facile, hein. Pas facile, oui. Les États-Unis, comparé à la semaine précédente quand on était en Autriche. C'est vrai que là, oui. Les États-Unis, c'est un circuit beaucoup plus technique quand même, mon cher Brady. Oui, avec des zones de dépassement qui sont un peu plus larges. C'est un circuit qui est assez large, en fait, hein, qui est situé au Texas, qui accueille pas mal d'autres compétitions. On a ce fameux enchaînement gauche-droite, qui nous emmène directement sur la petite partie avant la grande ligne droite. Donc c'est vrai que c'est un compromis pour les réglages qui vont privilégier le secteur 1 au détriment du secteur 2 et vice-versa. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des stratégies. En termes de largeur, je pense qu'on peut comparer la largeur de la piste à la France, hein, très franchement. Il y a, ouais. Y a vraiment beaucoup d'espace sur ce Grand Prix. Même la longue ligne droite de l'arrivée permet pas mal de dépassements, et même celle du deuxième secteur, comme tu en parlais. On risque d'avoir beaucoup de choses ce soir. Et attention surtout aux pénalités, puisque les pénalités vont très très vite aux États-Unis. Hein. Ça tombe vraiment rapidement. Surtout en situation de virage coupé sévère. J'imagine que t'as vu ça hier, j'imagine. Ouais, ça a coûté pas mal de place à certains pilotes. Hein. Enfin, le Grand Prix, on a des écarts qui ne sont pas très importants, mais malheureusement, avec des changements de position dus à des pénalités. Est-ce que tu veux que je fasse un petit point rapide sur le classement? Vas-y, fais-nous rêver. Moi, pendant ce temps-là, je dis bonjour au chat. Écoute, ouais. La Socios et Bastoun. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. La Socios qui a gagné un sub hier, puisqu'on a fait un tirage au sort. Hein. Et c'est lui qui a gagné le sub de la VMV. Donc, en ce qui concerne le classement, on a Topiz hein, qui est toujours en tête avec 104 points. Assez loin derrière, on a Sulicart avec 62 points, Morzac 58, 49 points pour Notsine, 42 points pour Guadrax, 37 points pour Full Golden Carlsen qui a lui 32 points, 29 points pour Alex. Kartechuk, 29 points également, avec un point en moins, 28, Monsieur Luisinho. 25 points pour Basico, Pio, 23 pour Jérôme, hein, trois pilotes qui suivent de très près. Jojo Keke, Bouza, Menzo, Warzazat et CG Pets avec Kev ferme la marche de ce classement après déjà trois éditions. Ouais, donc Topiz qui mène très largement. Hein, mais... En même temps, Topiz nous a régalé hein, pendant ces trois premières courses et je pense qu'aux États-Unis ça va être la même chose, même si des prétendants à la victoire ce soir vont être présents. Hein, je pense notamment à celui de Cartes qui veut absolument ouvrir son compteur de victoire ce soir. Il y a aussi Lucinho, hein,
L'actuel champion hein, Eh de la oui! Liga hein, qui cherche Eh désespérément oui! à revenir vers Et le sommet. Alors, puisque tu en parles, monsieur Lucinho, j'ai eu le privilège, j'en ai parlé hier sur mon live, de courir avec les pilotes, avec les pilotes très haut classés de la VMV. Monsieur Lucinho qui a fait un superbe podium, une superbe deuxième place. Contre la XRT, la G-League, la SHW, enfin bon, bref, voilà. Donc, c'était une très belle expérience. Encore une fois, la VMV s'est fait remarquer par sa propreté et son fair play. Et ça m'a été rapporté directement par les hautes instances. Et franchement, ça fait très plaisir. Voilà pour le petit intermède champion, parce que c'est vrai que la Red Bull, cette année, de Monsieur Lusignan, Pas il incroyable. va essayer de défendre son titre. Et Elle est oui. pas incroyable la Red Bull cette année malheureusement. Et ouais. Il subit un petit peu le syndrome de Marzac hein. La saison passée. Marzac pareil qui avait eu de grosses difficultés à défendre son titre. Lucinho malheureusement c'est Alors, ouais, exactement la c'est. même. D'ailleurs en parlant de Ah, Red c'est Bull. le. Il y en a qui sortent. Sauf Bazico je crois qu'il sort. Ouais, Bazico qui sort. Accompagné d'une Renault, la Renault de Bouza, mais Sully Kart. Trois pilotes déjà sortis. McLaren également qui sort. Une Racing Point qui lui coupe la route. Donc les deux Racing Points sont sortis. Ah ouais, c'est Chuck hein, là, qui vient de sortir. J'aime beaucoup esthétiquement ce Grand Prix quand même. Hein. Il y a Ouais. pas à dire. Je trouve que après, il y a peut-être à dire sur le tracé, mais je trouve que c'est une réussite quand même en termes de F1. Je trouve qu'il a quand même sa place. Même le tracé, je trouve qu'il est quand même mieux que celui d'Indianapolis, par exemple. Ah oui, toi, ah oui, totalement. Oui, totalement. Ouais, bien sûr. Ouais, Indianapolis, bien sûr. les pneus Ah, c'est autre prenaient chose, hein, cher. c'est. Les Ouais, bah pneus ouais, prenaient mais ouais, cher. bien sûr. Bah, c'est toujours la tentation des circuits américains. Hein. On le voit sur l'IndyCar que je commence à suivre parce que c'est un sport automobile aussi assez intéressant, qui est un peu plus péchu, on va dire, que la F1. Mais sur les circuits américains, on sent vraiment une volonté d'apporter du spectacle. Et puis d'apporter un maximum de belles images aussi. Hein. C'est vrai que l'encadrement du circuit est quand même assez vert. On est au Texas, on est à Austin. C'est quand même assez. C'est une région qui est quand même assez pas désertique, mais qui est quand même assez sèche. Et là, on a un beau tracé. Je trouve que c'est un beau tracé avec des zones très rapides, avec des zones un peu plus lentes. Et c'est appréciable, en tout cas pour les pilotes. Je l'ai essayé sur un autre jeu, là, tout à l'heure, sur un Project Cars 2, avec une voiture de prototype. Et même dans d'autres jeux, ce circuit est vraiment, vraiment très sympa, avec cette grande ligne droite, là, qu'on voit, et cette énorme montée au premier virage, qui permet des dépassements, mais. Avec une épingle hein, quand même qui est assez prononcée. Alors apparemment dans la réalité, il semblerait qu'il soit très bosselé Ah et ouais. que les pilotes s'en soient plaints l'édition dernière. Ouais, il y a beaucoup de bosses sur ce circuit. Et on a le Chuck là qui est bien lancé, qui prend le secteur 1 en violet. Mais est-ce que les USA est présent cette année en termes de Grand Prix? Je sais pas si je crois qu'il y a, mais c'est vers septembre, il me semble. Si je dis pas de conneries. Alors je vais regarder le calendrier. Salut Rafsala, salut Morzac, salut les gars. Salut Mika, salut Alors on va Vivacity. regarder ça. Ozaviak annonce un podium Morzac pour ce soir. Intéressant. Il a dit j'annonce Morzac podium, vous l'avez vu ici en premier. J'espère que vous allez tous très bien dans le chat. Mika qui nous régale, hein, les deux best streamers. Bah écoute, on va très très bien, Mika. J'espère que tu vas bien aussi, que tu vas passer une bonne soirée en Ah, notre ça fait compagnie. plaisir. Tu te remets de ton crash à RIP Vivacity. Les deux Renault podium, carrément. Ah, Ah Bouzam, c'est oui. possible. En tout Ah cas, Sully oui, Kart, lui, carrément. 1:30.092, notre Sully Et Kart Chuck. national. Et Chuck, Et 1:30.207, ouais. Les Racing ouais. Points Ils qui sont sont rapides. présents. Hein. Ouais, Bouzam qui fait un très bon temps aussi. Bouzam en 1:30 534. En Le plein dans. circuit de
Ouais, le circuit d'Austin, excuse-moi, je te coupe, aura lieu le 22 au 24 octobre. Hein, donc ah, d'accord. T'as vu, juste après le Japon et avant le Mexique. Donc ça nous promet un enchaînement assez sympa. En parlant de rapidité, au mois d'octobre, on a... On a beaucoup de... Non, je dis au moins... Ouais, beaucoup de circuits comme ça, avec des particularités. Ça va être intéressant. Ouais, je sais, en parlant de rapidité, Topiz, hein, une 29-716. Gros temps. Ouais, gros temps, il redépasse. Et Lucinho, hein, qui est là, hein. Lucinho, troisième. Comme tu le disais, ça... Sa remise en forme est en train de se poursuivre, hein, mon cher Brady. Troisième pour l'instant devant Jack. Et pas très loin derrière Rusty Cart. Les temps sont très serrés là. Hein, mais de toute façon, on s'en doutait. Hein, on voyait les temps hier. Là, on passe sous les 1:30 avec Topiz. On a Enzo qui a eu un petit problème de cou. Ouais. Et franchement, je pense que l'événement de ce week-end a gonflé aussi les pilotes, a donné beaucoup de confiance aussi. Je pense aussi à Monsieur Luisinho. Se frotter toujours à d'autres ligues, c'est toujours assez. Puis des ligues quand même. Hein, on parle de la XRT, on parle quand même de ligues très rapides. Donc ça a permis aux pilotes de la BMW, Topiz qui courait également, je crois, ça leur a permis vraiment de prendre de la confiance, je pense. Et là, on le voit sur le chrono, hein, effectivement, hein, Monsieur Luisinho qui prend un beau chrono là. Et on va voir Petz là qui sort en médium la Ferrari qui va chercher peut-être une stratégie différente pour Petz. Salut I'm Restore, salut NXVixi, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Salut les gars. Alors on est parti pour une heure et demie de plaisir dans ce beau Grand Prix des États-Unis d'Amérique à Austin. Exactement, le Grand Prix the Circuits of the Americas, circuit des Amériques. Je connais toutes les Amériques. Je connais quelqu'un qui aurait aimé voir ça, je pense. Mais malheureusement, il n'est pas là ce soir. Ah bon. John National. Mais là, il est dans son ranch là ce soir. Je crois, hein, c'est ce que. Ouais, bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Vous croyez que c'est simple la vie d'américain? Non. Alex Hirt qui a abandonné. Attends, mais il y a un problème avec les deux AlphaTauri. Il y a un problème, ouais. C'est ce que en rentrant au stand. Oh non, c'est vraiment. C'est terrible. Il est bloqué au stand là. C'est en rentrant au stand. C'est primeur. C'est vrai qu'il est tricky. Il est tricky cette rentrée au stand. Je voulais en parler tout à l'heure parce que sur une des dernières courses, sur une saison précédente qui avait eu une rentrée au stand qui avait été faite au dernier moment pour pas gêner, le pilote s'est mis sur la droite et s'était rabattu et avait cassé à ce même endroit parce qu'on arrive vraiment sur une épingle hein, pour rentrer au stand et il faut vraiment faire très très attention. C'est dommage là pour le pilote AlphaTauri au moment où son collègue est passé, ça a failli leur coûter les deux voitures. Et merci du follow Noloyum Fabi 1982, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On a Sully Kart qui est de nouveau en tour de sortie, tout comme Chuck et Bouzam. On a Kevercet qu'on n'a pas eu l'occasion de voir la semaine dernière en Autriche. On va pouvoir revoir avec plaisir. Du côté des États-Unis d'Amérique avec sa McLaren. Et c'est vrai que le S, cet enchaînement de virages est vraiment pas facile à prendre. C'est vraiment très difficile. Ouais. Et merci du follow NXVixi, bienvenue à toi. Enzo, top 3 ce soir, mes amis, nous dit I'm Restores. Peut-être. Ah. Mais là, il est pas là, NXVixi. Il est pas là. Non, il est pas présent. Ah si, Enzo est là par contre. Ouais. C'est possible. Attends, Enzo va voir. Enzo qui est dans le premier secteur actuellement, qui a le secteur violet. Bon, après, on va voir. Hein. Malheureusement, on ne sait pas si ça va être le cas. Alors que notre Alex Kart National m'a envoyé la télémétrie. Ah, très bien. Donc ça, c'est nickel. Hop, on va pouvoir regarder ça de plus près. Et c'est GPS, le seul pilote en jaune. On va voir ce que ça va donner pour son chrono. Il va passer la ligne. À 1:33. 1:33, c'est pas si loin de Basico. Il y a Kevercet aussi qui arrive sur la ligne. 1:31.8. Et ouais, en 12e position pour le pilote McLaren.
Ah, terrible NXXC. Et ensuite. Alors, j'espère que tes problèmes de co vont se régler pour la semaine prochaine, mon cher ami. Ah oui, c'est le problème, c'est le problème. En attendant, Enzo, là, va passer la ligne. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que ce soit un super temps. Ah, faut voir. C'est vrai qu'il a l'air en retard. Attends, quand même. Attends, attends. Il a l'air en retard, ouais. 8ème si quand même. 8ème si quand même, Enzo. Si, si, si. Très beau temps, très, très beau temps. Ah, il s'est bien rattrapé sur les deux derniers virages, là. Oh là là, vous régalez ce soir. Merci, Follow Jerko, 72 540. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, mon ami. Exactement. Allez, on va aller du côté de Pio, qui améliore de 2 dixièmes pour l'instant dans son deuxième secteur. Le coéquipier de KVRCT. Oui, rapide, ouais. Mais il est quand même 11ème seulement pour l'instant. Ouais, mais je pense qu'il va améliorer. Là, on voit, il est à l'attaque. Il est vraiment pied au planté là, dans cet enchaînement. Hein, sur la télémétrie, c'est visible. Et attention à ce dernier virage là. La belle McLaren. Moi, ouais, j'aime bien cette McLaren. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais, moi aussi. Je la trouve belle, ouais. Allez, oui, 2 dixièmes de mieux, 9ème temps. Place. Ça, c'est bon, ça. Ça améliore, c'est très bien. Attention à pas se planter, hein. Voilà. Oula, oula, ouais, c'est ce que je disais là. Notre ami Pets, il a eu peur, je pense, là, sur rentrer au stand. Oui, non, mais c'est très compliqué cette rentrée au stand. Hein. C'est un peu comme à Singapour, sauf qu'à Singapour, vous avez entre le mur, entre le virage et le mur, vous avez plus de distance. Alors que là, c'est vraiment. Bah, moi, j'ai cassé là à plusieurs reprises et on a Morzac là qui est lancé, Morzac 08 là qui est lancé à fond les ballons avec la Renault. Tout le monde s'est poussé, tel Moïse. Séparant les océans. Topis qui améliore de 20 centièmes seulement pour l'instant. Ouais, mais c'est des beaux temps, hein, c'est des beaux temps. Hein. Alors, un peu compliqué là sur ce tour là pour Topis. Attention à Enzo, ne pas gêner le pilote Mercedes. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'il va réussir à améliorer le pilote Mercedes à conforter son avance sur Bouzam qui a fait le deuxième temps, Bouzam? Mais oui! Mais Topis qui améliore. Le pilote Renault. Mais Bouzam très très chaud ce soir. Sous les 1:30, hein, Bouzam. Hein. Ouais, très impressionnant le pilote Renault. Mais comme. Et son collègue va passer la ligne. Comme je l'ai toujours dit, Bouzam, c'est pas en qualif son problème, c'est en course. On l'a vu plusieurs fois. Ouais, 9 dixièmes d'amélioration pour Morzac. Les Renault bien placés encore. Ouais, les Renault qui sont les présents. Les Renault bien placés encore. Ouais, les Renault bien placés. On a les deux. Les deux Racing Point qui sont bien placés au. Chuck, justement. Chuck qui reprend le deuxième temps. Prend le deuxième temps. Eh ouais. C'est pas mal du tout, ça, au niveau des chronos. Franchement, c'est propre. C'est très, très intéressant, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est propre, c'est propre. Et puis, comme je disais, Bouzam, on l'a vu en Australie, on l'a vu en Autriche, hein, plus récemment. Mais Bouzam peut faire des bonnes qualifs. Il les fait souvent, hein, ces bonnes qualifs. Mais malheureusement, en course, il fait des erreurs qui gâchent, malheureusement. C'est bon résultat en qualif, hein, vrai dire. Oui, mais c'est un peu l'apanage des pilotes qui sont très rapides sur des chronos. Et puis après, en conditions de course, il y a beaucoup de pilotes. On peut parler de ton chouchou, hein, George Russell, hein, qui n'est pas forcément bien placé en qualif, mais qui peut en course tirer son épingle du jeu. Voilà, il y a des pilotes comme ça qui n'ont pas forcément ni la machine ni les capacités pour aller chercher des gros chronos, mais qui se débrouillent très très bien en course. Alors c'est vrai qu'il faut il a joué de malchance aussi, hein. Enfin, ça a été un début de saison compliqué. Là, je pense qu'honnêtement, on part sur des bases. Là, il a décidé de mettre en pratique. Je vous rappelle l'incident à Bakou, au niveau du château, qui lui a coûté un ban qualif. Donc voilà, c'est compliqué. Là, peut-être que Sirpi, avec une configuration un peu plus adaptée à son style de pilotage, va lui permettre justement d'appliquer les bonnes résolutions dont tu parlais tout à l'instant. Le problème pour Bouzam, c'est que malheureusement, ça le suit depuis la saison dernière. Hein. Mais on avait eu un même syndrome pour Bouzam du côté du Mexique, notamment, où il avait foiré mais totalement sa relance de safety car, où il était quand même premier. Et puis, il s'est planté à la... Juste au redémarrage, au virage avant l'arrivée, il a fait un spin, il a tapé contre le mur. C'est Bouzam qui a potentiel, hein.
Il peut faire de grandes choses, il faut juste qu'il se fasse confiance lui-même, je pense, d'abord, dans sa propre conduite. Et ça ira tout seul, je pense, après. Il va y avoir Zaza qui pite là à l'instant. Ouais, on va suivre les cartes. Quatrième pour l'instant. Voilà, ça va commencer à ressortir. Là, on voit pas mal de tours de sortie. Il reste plus que 3 minutes de qualification déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire au niveau du timing. Là, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah, y a Jérôme qui est en médium en toute sortie. Jérôme qui tente quelque chose. Ah oui. Jérôme qui a pas fait parce tout. Parce que hein. Là, ouais. Bah, je pense que là, il se dit, allez, c'est parti. Il faut que je donne tout. Kersan aussi qui a pas fait tour. Kersan qui a pas fait tour alors que Kersan d'habitude est... Et top 5 en général, c'est un peu compliqué. Oula, celui carte qui a. Oula, oui, c'est compliqué pour celui carte. J'ai l'impression que certains pilotes préfèrent vraiment attendre le dernier moment. Et c'est le cas de Kersan là qui va passer c'est ce que je regardais, le dernier secteur, mais il faut pas se louper. C'est ça surtout, il faut pas se louper, on va voir le chrono. Pas d'incroyable temps. Hein. Seulement 1:31.6, voilà, c'est pas incroyable Kersan, il peut faire mieux que ça, je pense. Ah, il a plus d'essence, il pourra pas relancer un tour lancé malheureusement. Ah, ça c'est terrible. Il y a Pets aussi revient. Attention, pas annulé dans les derniers moments. Oula, ça rentre au stand pour Pets directement. Et il va pas améliorer. Basico, temps, tour annulé. Jérôme qui vient de. Jérôme Hélène qui vient de se lancer là au moment où. Guadrax s'est amélioré. Ah, ouais, c'est pas mal ça pour la Ferrari. L'Alfa Romeo, tu veux dire L'Alfa Romeo, pardon. J'étais en train de regarder. Non, mais je cherchais la Ferrari. Il n'y en a qu'une. Ouais. Ouais. Mais. Qui c'est le coéquipier de Pets cette saison, du côté de la Ligue A? Je me souviens plus qui c'est. Alors. C'est Ferrari. Chez Ferrari, nous avons Jojo Kéké, mais qui n'est pas là apparemment. Ah, c'est Jojo Kéké. Et ouais, c'est Jojo Kéké qui n'est pas là apparemment ce soir. Et puis, du côté d'Alfa Romeo, hein, c'est Envixi qui nous a, qui a gentiment follow la chaîne. Il a plutôt intérêt. Et puis, en parler à ses amis. Non, mais. Puisqu'il est pilote et il est pas mal placé. Hein, pas mal placé dans le classement. Attention, hein, prétendant, hein, le pilote. Il est actuellement 11e. Il a fait un très très bon résultat sur le deuxième Grand Prix en Azerbaïdjan. Voilà, il est à 27 points. Bon, c'est un petit peu loin, mais il y a moyen de sur la prochaine course sur l'Italie de faire quelque chose. Hein. Allez, Guadrax, il va franchir la ligne d'arrivée, ce qui va encore améliorer l'ami Guadrax. Oui, encore 2 dixièmes. Il se classe 6e, le pilote Alfa Romeo. Eh ben c'est pas mal du tout ça. Ouais, Pets qui abandonne dans les. Attends. Oula, oula, non, il a carrément. Oula là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il a abandonné en plein milieu. Pets, je sais pas si c'est passé. Mais il a abandonné en plein milieu. Il y a Sulicart aussi qui a abandonné en plein milieu. Waouh, ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont en. Alors, est-ce qu'il y a un problème de session? Non, je pense pas. Je pense pas, non. Mais Ouais, je viens de voir là sur les images, ouais, qu'il y avait un petit. C'est quand même assez étrange. Topis, il va pas améliorer. Chuck non plus. Est-ce que Bouzan? Non, Bouzan non plus ne va pas améliorer. Lucinho, lui qui est dans un tour rapide. Est-ce qu'il va améliorer le pilote Red Bull? Va-t-il aller chercher le podium? Le pilote Red Bull, le podium qui lui manque depuis. Oh oui! C'est pas mal du tout. La troisième place. Piqué au vif. Ah, ça c'est bon, ouais, Lucinho qui revient en forme. Belle réaction. Ça fait belle plaisir. Belle réaction du pilote Red Bull là, qui a décidé de s'intercaler. Et ce Warzazat aussi. Sur le podium. P6 Warzazat qui revient en forme aussi. Ça fait plaisir. Bah, ouais, c'est bien, ce sont des. Non, malheureusement, je regardais, hein, il a invalidé son temps. Il avait relancé un. Il a lancé un premier temps qu'il avait invalidé, le deuxième aussi, et puis là, malheureusement, celui-ci, c'est trop tard. Une fois de plus, mon cher Brady, je pense que Topiz est le poleman de cette qualification. Ah, le prétendant, ouais.
En 1.29, 624. Ça, c'est beau, ça. Très, très bien joué. Le retour en forme de Lucinho aussi à noter. Troisième temps. Le pilote Red Bull, c'est sa meilleure qualification depuis le début de la saison. Eh oui. Et il revient en forme. Pour notre plus grand bonheur, ça va rajouter du piment en plus. En haut de l'affiche. Déjà qu'on en avait beaucoup. Par contre, ce soir, petite déception du côté de Jérôme et de Carlsen. Hein. Jérôme qui n'a pas réussi à faire un temps en 18 minutes. Et Carlsen ouais, qui est seulement 13e. Ouais, ouais. C'est pas ouais, fou. Non, bah, alors sur ce type de circuit, on a un timing qui est plutôt serré. Et puis on en parlait hein, pendant le tour lancé d'Enzo. Hein, c'est toujours le dilemme de se dire est-ce que voilà, je pars au dernier moment, etc. C'est un circuit qui se fait en 1.30, donc environ dans la moyenne. Hein, mais il ne faut pas se louper. Et là, je pense qu'Enzo aurait apprécié un ou deux tours de plus. Pour enfin au moins une minute de plus pour essayer de s'améliorer. En attendant, ben on a eu des quand même malgré la casse à l'entrée des stands qui est affûtée comme une hachette, pointue comme un couteau. Voilà, ben il va falloir faire attention aux pilotes, ils sont prévenus. Salut Bastoun. Salut Dayard, j'espère que tu vas bien. Regarde Massa Brady. Dayard. Il y a 6 pilotes qui sont à 5 dixièmes. Ouais. C'est très serré. Hein. Très serré. Donc 4 pilotes qui sont bien, en dessous des 1.30. Sous les 1.30, ouais. Ouais. Allez, sous les 1.30, c'est un gage de rapidité, hein, c'est clair. Hein. C'est clair. Très peu d'écart entre les 3 premiers. Entre les 4 ou les 5. Ouais. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant comme course. Salut Bouzam, GG pour ta qualification. Fais-nous la même en course, mon cher Bouzam. Et allez, on a Topiz dans la loge Canal+. Salut Topiz. Yo. Hello. Comment ça va, mec? Bah, ça va, une poule de plus. oui, c'est exactement ça. Exactement, bah GG, mec. 4 sur 4, j'ai envie de dire. Bah ouais, hein. Bah, cette fois, en plus, je pars... Je pars un petit peu plus confiant que d'habitude. Ouais. Même si j'ai pas énormément entraîné, je vais pas te mentir. Enfin, je vais pas vous mentir du coup, vous êtes deux. Je pense quand même avoir une bonne strat pour la course. Ouais. Et puis on avisera en fonction des essais. Je pense plus partir sur soft medium si j'ai vraiment la course en main, je vais tenter. Je vais être safe avec 2 arrêts, donc je vais faire soft medium soft. D'accord. Et s'il n'y a pas de FC, de SC, pardon, je ferai soft medium sûrement. Je m'arrêterai au tour 11 environ, sûrement. Ok. Ah, ça va être intéressant. Ouais, ça va être une bonne bataille pour les strats. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Surtout ouais, que puis... les États-Unis, c'est vraiment un test pour les pneus. Hein. Les États-Unis, les softs, ça part très vite au niveau des S, notamment, faut faire très attention à l'adhérence des pneus et à la température des pneus, puisque. Un coup trop vif et ça part vite dans le décor au niveau des S, donc il va falloir très attention. Et surtout pas prendre d'averte. Hein. Surtout pas prendre d'averte. Donc, bah, comme d'habitude, je vais essayer de break le DRS et puis si c'est pas possible, on fera avec. Bah écoute, je te souhaite. Ouais. T'as une question peut-être, Brady? Non, j'allais dire beaucoup de difficultés sur ce circuit à recharger le RS, justement. Oui. Donc, attention aux pilotes de bien le conserver jusqu'à la fin. Parce que ça nous promet, c'est effectivement, hein, si tu as une stratégie à 2 arrêts en tête, d'autres l'ont aussi. Donc ça va être intéressant, en tout cas, bravo pour ta pole. Merci. Et bah, bon courage. Je pense je vais reprendre mon baquet Mercedes et puis. En espérant pour retrouver à la fin de course. Ouais, bah normalement. Bah, avec plaisir. Si tu continues comme ça devrait aller, je pense. On n'est jamais plaisir. Sûr. On n'est jamais trop sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais. Allez, bon courage. Merci. Allez, bon cast. Ouais, merci. Merci à toi. Mais c'est vrai que les pneus pour en avoir fait quelques courses hein, de championnat sur ce tracé. Les pneus prennent très cher. Les softs durent pas très longtemps en général aux États-Unis. Moi, ouais, je dirais à peine 10 tours. Ouais. Ouais, et puis les médias, les hards sont pas très efficaces. Alors,
Non, parce qu'on a plus de différents. Alors, y a, le delta est plus grand entre de différence entre le soft, le médium, qu'entre le médium et le hard. Donc, si tu veux, y a plus de différence d'usure entre le soft et le médium que entre le médium et le hard. Ça veut dire que le pneu qui serait, bon, sauf une SC très rapide, mais le pneu qui serait on va dire le mieux adapté sera le médium, effectivement. Oui, je pense aussi. Sur une durée de course 50%, ben là, Topis vient de nous dévoiler une stratégie intéressante, hein. Suffisamment d'avance pour repiter sur des rouges et puis finir. Ça va nous donner du spectacle parce que Je suis maintenant presque qu'il nous a sûr donné. que même s'il n'a pas assez d'avant, je pense qu'il tenterait quand même pour le. Comme il a Ouais, fait mais justement, ouais. en Australie, il serait capable. Il serait capable de le refaire. Ouais, Donc. exactement. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'effectivement, bah, la connaissance des pneumatiques est très importante, quoi. Tout à Très, très fait. importante. Mais on verra ce que ça va donner. Puis on garde là, il y a la session qui va débuter. Puis on va pouvoir checker un petit peu les stratégies qui seront disponibles pour les pilotes. Dès le tour de formation, normalement, non, c'est pendant les premiers tours. On va pouvoir déjà observer les stratégies utilisées hein, par les pilotes. Mais c'est vrai que la SC, alors je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup parce que c'est quand même une piste très large. Alors je pense pas que les commissaires. Il y aura peut-être plutôt des virtuels que des vrais safety cars, à moins qu'il y ait vraiment un gros crash. Ouais. Mais pour Ah, c'est un cercle. moi. Voilà. Alors, on a une stratégie à deux arrêts, hein. Avec des softs qui sont identiques, avec des médiums qui sont identiques dans au hard. Ben, voilà. On en parlait, Voilà, hein, tu il y a parlais beaucoup de de la médiums. stratégie. On en parlait là sur la stratégie. Ce qui est proposé, c'est Ouais, voilà. soft. Soft Alors médium, attends. ouais. D'accord. Soft médium, mais regarde où sont placés les médiums par rapport au hard. Honnêtement, c'est pas Non, flagrant, hein. non, non, ouais. La différence. C'est pour ça, c'est mieux de partir sur des médiums, je pense. Salut le Carpi, ça va bien? Salut le carpiste! Non, je pense que soft, medium, soft, c'est la meilleure stratégie. J'ai toujours une petite préférence quand t'as. Moi, je pense que quand t'as deux arrêts, mettre les softs à la fin, Ouais. quand la piste est vraiment bien chaude. Non, exact. Et puis que t'as plus d'essence et que t'es plus rapide, bien sûr, ouais, je suis. Les softs, c'est vraiment Ouais. le meilleur show, je pense. Il y a quand même Ah oui, Kersan je qui pense part en aussi, soft, mais. hein. Kersan qui a choisi de partir en soft, même s'il avait la possibilité de partir en medium. Ouais, Ce qui est ouais. assez étonnant quand même. Mais sinon, ouais, non, on a beaucoup de. Bah, on a que du soft, hein, soft ou médium. Donc, s'il y a une safety car, il risque d'y avoir beaucoup de monde au stand, mon cher Brady. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça va se bousculer au stand. Et là, attention, on l'a vu pendant la course, enfin, pendant les essais, enfin, oui, pendant je vais y arriver, les qualifications. On a bien vu, hein, que les stands, c'est piégeux, hein. Oh oui. C'est piégeux. Oh oui. Et puis bah, on aura l'occasion de toute façon d'en rediscuter pendant la course. On a quand même 28 tours à regarder tous ensemble le chat. J'espère que vous êtes chaud. Parce que nous avec Brady on est chaud patate. On a hâte de voir ce départ. C'est vrai que la montée de ce premier secteur est propice à de nombreuses pertes d'ailerons hein, pour en avoir fait les Ouais. frais. Donc c'est vrai que cette grosse montée là qu'on voit hein, du côté de la caméra de Topiz, elle est énorme. Ouais. Mais va faire Ouais, très attention à pas se faire surprendre justement. c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, faut pas se faire C'est impressionner. impressionnant et attention, et ouais, attention au premier virage, hein, bah, parce que ça va arriver très très vite et il va pas falloir que les pilotes se pressent trop parce que ça passera pas à 17. On avait Donc pas si certains important. certains vont prendre un très bon départ, d'autres moins. Donc on va voir ça. En attendant, Pets qui arrive, qui se positionne, Jérôme Hélène est positionné. Allez. Attention, ça va partir. Rendez-vous au premier virage, comme dirait notre cher caster Julien. Et c'est parti! C'est parti! Et tout le monde a pris un bon départ, il n'y a pas de gros Ouais, changements. c'est très propre Lucilio pour peut-être l'instant. deuxième, Attention. attention, ça bloque les roues, là, attention derrière! Attention, les Ça deux as ne tape un pas se peu, Kéro! toucher. Aïe, 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 Kersan! Bacasse. Dans le mur! Oh Aïe, là, il y a aïe, beaucoup aïe, aïe, d'ailerons il y a eu là! Bacasse. Il y a Ouais, il y a eu beaucoup Bacasse, il y d'ailerons a eu là, ouais! Bacasse.
Kersan qui n'a plus d'aileron là. Kersan qui a explosé son aileron. Oula, attention dans le S là, il y a une Williams. Voilà, safety car virtuel. D'entrée, voilà. Bah, il y a beaucoup de débris hein, malheureusement sur la piste. L'aileron. Oula, oula. Oh, Chuck et Bouzam qui se sont rentrés dedans. 5 secondes de pénalité. Oh là 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 là. Attention, messieurs, tu en parlais. La voiture de sécurité est sortie au premier virage. C'est bien dommage. Il me semble avoir vu une McLaren partir un petit peu en travers et percuter la Haas. Ouais. Il faudra revoir les images en attendant. Je pense que là, on va assister, pour les pilotes qui ont de la casse, hein, on va assister à une rentrée au stand, notamment la Renault de Bouzam, hein, qui est bien abîmée, d'ailleurs, qui a du mal. Et oh là, Bouzam qui a cassé son aileron sur Chuck. Qui là, oh là là. Ouais, non, mais il a un problème d'aileron. Celui qui a perdu attention. 2 secondes 5, hein. Oh là là, oui. Ouh là là, ça, oh là là, la relance, là, elle a l'air terrible. Bouzam, malheureusement, ouais, qui a pas. Ouais, Morzak qui passe, hein. Morzak qui passe, le coéquipier, parce que ça va piter pour Bouzam. On a Enzo aussi, hein, qui est. À noter le très bon départ de Lucinho. Très très bon départ de Lucinho qui a fait équiper deux actuellement derrière Topiz. Très très bon départ. Par contre, Chuck qui ne rentre pas. Il y a Pio qui est également au stand. Pio qui est au stand. J'ai pas vu de casse d'aileron pour Pio. Non, attendez, hein, c'est peut-être une erreur. Non, Pio qui rentre au stand, c'est bizarre ça. Si, il y a, pourtant il change d'aileron, mais j'ai pas l'info. J'ai pas l'info concernant. Le grand perdant là pour le moment, si. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Là, on nous propose du soft hard hein, maintenant sur les stratégies. On a le bug du troisième tour qui fait son apparition comme d'habitude au niveau du classement. Donc on a un classement qui ne correspond pas à la réalité pour l'instant. Et Jérôme qui a pris un très bon départ. Hein. 4 places de prix pour le pilote Pietro Williams qui est en bataille actuellement avec la Ferrari de Petz. Et Petz qui repasse devant. Petz 11e. Et KVRCT qui le suit aussi, attention le freinage, le dive bomb de Jérôme, ça bloque les roues. Ouh, ça promet une belle bataille, drapeau jaune dans le secteur 2. C'est une Renault qui t'a l'envers. Qu'est-ce que c'est une Renault? C'est une Renault. C'est Bouzam. C'est Bouzam. C'est Bouzam. Ah, ça va, il n'y a pas de casse pour le pilote Renault. C'est terrible. Les pneus froids, il a pité, pneus jaunes froids. Bouzam, hein, comme je le disais, qui a vraiment beaucoup de mal en course. Hein. C'est vraiment son... C'est là où il y a le plus de difficultés, c'est quand même terrible. Ouais, c'est dommage. Bah, c'est dommage perdant, pour le pilote Renault. Le grand perdant, c'est Bouzam, hein, tout simplement, qui a perdu 13 places depuis le début de ce Grand Prix. Et le gagnant, pour l'instant, c'est Petz et Jérôme, hein, qui ont pris 5 places chacun. Hein. Petz qui fait un très bon départ. KVRCT qui a attaqué Jérôme là dans la longue ligne droite du premier secteur. Et Jérôme et Kemmeyer à l'accélération. Allez. Mais KVRCT qui est quand même passé devant. Attention, on a Basico aussi qui suit juste derrière. Bataille très serrée pour la P12. Ouais. Ce qui profite à Petz. Ouais, on a un peloton là qui s'est fermé entre la 6e et la 10e place là. Jérôme qui se montre dans les rétros. Où ça coupe là pour Jérôme. Ouais, il a un type un peu trop gourmand, le pilote William. C'est là, ça a peut-être profité à Basico qui a une meilleure accélération. Et voilà. Comme je disais. Ouais, là, Jérôme qui a un petit peu merdé. Ça passe avec le DRS. Et en plus, il a tardé à le déclencher son DRS, hein, Jérôme. Il a tardé, on l'a vu. Hein. Allez, Alex Kart qui est du côté de la P10. 2 places de prix pour l'instant pour le pilote AlphaTauri qui est juste derrière Enzo. Il y a un petit peloton qui s'est formé derrière Guadrax, hein, d'ailleurs. Exactement, ça commence à prendre du rythme. Ouais, Enzo qui a un petit peu largué, mais attention, hein, pas prendre de pénalité. On va être au tour 4. Et Lucinho qui est plutôt très très bien. P2, ça fait plaisir de le revoir tout là-haut, Lucinho. Ouais. Lui qui avait connu pas mal de galères, hein, lors de ce début de cette saison. Alors que Bouzam a perdu également du temps, hein, du fait qu'il a purgé sa pénalité, contrairement à Chuck, hein, qui a toujours 5 secondes de pénalité.
Déjà, trois pilotes qui ont pité, hein, Pio Carlsson et Buzan. C'est une safety car, Buzan serait plutôt bien. Hein. Il a fait sa pénalité. Eh oui. Et du coup, Warzazat P6 pour l'instant. Mais c'est vrai que Warzazat, Buzan n'a pas droit au bonheur, hein, comme la semaine dernière. Le bonheur qui n'est pas présent hein, du côté de Buzan, qui se morfond hein, dans les spins. Il est casse d'aileron, malheureusement. Alors, ouais, ça décale là pour. Ouais, ça tente hein, sur Guadrax, la Warzazat. Non, c'était un peu trop loin. Il a pas tenté un move stupide, Warzazat. C'est plutôt intelligent. Il y a Mika qui dit safety car, tour 6. Parce que, d'accord. Madame Irma Mika va faire des bonnes prédictions. D'accord, ok. Non, mais ça, c'est un crash gate, hein, ça s'appelle. Hein, ça veut dire qu'il y a un des pilotes qui a consigne de crash à ce moment-là. Hein. Merci, chez Brillator. Mika qui devient peut-être Madame Irma, hein, le temps d'un Grand Prix. On en parle parce qu'effectivement ce serait assez intéressant pour les pilotes qui ont eu des désillusions hein, au départ. Hein, Carlsson qui était vraiment mieux placé, qui dès le premier virage s'est retrouvé hors de la piste. Il a eu la chance d'ailleurs de pas casser hein, la voiture hein, puisque c'était quand même un choc assez violent. Et puis Buzan de la même façon. De toute façon, bon là, en jaune, il faudrait quand même que ces pilotes repassent par le stand. Ça leur ferait quand même 23 tours sur les jaunes. Je doute que ça fonctionne. Ouais, très beau dépassement là de la Williams de Jérôme Soukever. C'était qui a bien pris l'extérieur puis l'intérieur pour enrouler son adversaire et qui met déjà 8 dixièmes. Il y a Basico aussi qui est juste derrière. Ouais, c'était un beau move hein, parce que c'est un endroit pas simple avec deux courbes assez sèches. Et franchement, bravo au pilote Williams. En parlant de dépassement, Alex Hart qui vient de passer P9 devant Enzo Lesoft et qui commence à tirer la langue. Attention, grosse bataille. Ouais, grosse bataille entre l'AlphaTauri, l'Alfa Romeo, la Guadrax et Warzazat. Toujours un dans ce peloton. Avec Philippe Clark qui a un peu plus d'avance, hein, qui a 5 secondes. Et les deux Racing Point qui commencent à se lancer à l'assaut de Monsieur Luisi Nino. Et ça va pas l'arranger, hein, le pilote Red Bull, d'affronter les deux Racing Point. Alors que la Renault de Morzac va tenter l'intérieur. Ouh là là. Ouh, il a vu l'Alpha Tauri se rapprocher très très vite. C'est très serré, on a beaucoup de choses à regarder là. Oula, Godrax a mal pris son S et du coup il va voir Full Golden lui revenir dessus. Et on sent que les softs sont déjà en difficulté, hein, mon cher Brady. Là, Enzo qui perd pas mal de temps sur Alex Kart. Ouais, on est à 6 tours là, ça commence ça, plus tour de format, les tours de qualif. Ça commence à piquer peut-être pour les pneus là. Hein. Allez, il y a Chuck qui va aller chercher la Red Bull de Luisinho pour s'adjuger la deuxième position. Exactement. Et du coup, Chuck a repris sa deuxième place. Hein. Après un mauvais départ, il est revenu à sa place de départ. Et maintenant, c'est à Luisinho de faire l'effort. Ouais, de défendre au mieux et puis surtout d'attaquer, de ne pas perdre trop de temps. En parlant de ça, l'erreur de Luisinho qui coûte sa troisième place au profit de Sully Kart. Et maintenant, les Racing Point qui sont P2 et P3. Bon, allez, hein, c'est pas très. Oula, attention, Sully Kart aussi qui a l'air d'avoir des problèmes d'adhérence à la piste. Ouais, ça va commencer. Hein, ça va commencer à avoir du graining hein, sur les pneus. Hein, et on le voit hein, sur les images. Ça va. Franchement, là, les pneumatiques, je pense que celui qui va pousser le relais le plus loin possible sera peut-être gagnant sur la stratégie. Il va falloir creuser le gap là, entre les deux Racing Point et la Red Bull pour s'assurer au moins de pousser et puis d'avoir une stratégie. Les deux Racing Point en tête, là, c'est intéressant. C'est intéressant. Surtout que Chuck a 5 secondes de pénalité, donc ils doivent
Eh oui. Ils doivent impérativement hein, mettre du temps à Lucinho parce que sinon ça va être très compliqué. Il faut en tenir compte. Et Pets qui prend 3 secondes. Allez, Full Godon à l'attaque là sur, sur Guadrax. Il va avoir le DRS, il met le RS. Et Guadrax, celui qui n'a plus de RS. Et là, ça va en profiter pour Fugodon de grappiller des dixièmes. Peut-être même le dépassement sur le Guadrax à la fin de cette ligne droite. Ça va se jouer au freinage. Mais là, Williams a l'air d'avoir l'avantage. Septième position pour Fugodon qui a bien géré cette ligne droite, contrairement à Guadrax. C'était un très beau dépassement, hein, mon cher Brady, là, ce qu'on vient de voir du côté de la Williams. Ah, c'est un très bon mouvement, ouais, très bon mouvement. Et puis, bon, ben, comme d'habitude, hein, j'en parle à chaque. Attention là, les pénalités de choc qui vient de prendre 3 secondes là, à suivre son. Enfin, à devancer son. Et là, la fenêtre d'arrêt au stand qui vient de s'ouvrir là pour toutes les cartes. Ouais, on sent que les pneumatiques vont être en difficulté là. Et Topis qui est tranquille, hein, c'est une problème de santé comme d'habitude. 5 secondes d'avance déjà pour le pilote Mercedes. Choc qui a déjà 8 secondes de pénalité. Et ça, par contre, pour Racing Point, c'est pas. C'est un des avantages. Hein. Mais je sais pas si c'est passé du côté du premier tour, puisque Bouzam et Choc se sont rentrés dedans. Hein. C'est même Bouzam qui est rentré dans Choc. Alors, est-ce qu'il y a eu un. Allez, Suzy Kart aussi qui prend 3 secondes de pénalité. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication entre les deux F1 et du coup, malheureusement, Bouzam en a fait les frais. Je sais pas si c'est passé, mais en tout cas, Choc s'est pris les 5 secondes. Et Sulcart, lui aussi, l'accompagne dans ses pénalités, puisqu'il prend 3 secondes de pénalité également. Aïe, il va falloir faire attention, les garçons, parce que Lusigno, derrière, n'en a pas. Topis, qui a déjà pris un intervalle de 5 secondes 6, qui est vraiment bien, ça y est, hein, et il en a parlé. Je pense que là, sa stratégie va essayer de la mettre en application. Hein. On est qu'au 8e tour, il reste 20 tours, il a déjà pris pratiquement 6 secondes d'avance sur les deux Racing Point. Très belle prestation. On a ensuite. Ben, les trois pilotes là qui se donnent à fond pour je crois que là c'est un moment clé du Grand Prix là, hein, cette bataille là parce que les deux Racing Point ont effectivement des pénalités, Lusigno derrière qui n'en a pas, donc ça doit le conforter psychologiquement, ça doit être un peu plus simple. Et il y a notre ami Vodka ici qui nous fait parvenir que Topis n'a aucun avertissement en 9 tours. Ouais, Guadrax, il prend 3 secondes de pénalité. Ça commence à pit déjà. Warzazat. Voilà. Ça va être les médiums. Ça met les médiums du côté de. Non, les hards. C'est les hards pour Warzazat et Guadrax. Ça met les hards pour Warzazat. Ok. Et écoute, Guadrax. Ça doit être vraiment le ressenti. Et Guadrax, pareil. Ça met les hards. Ça met les hards. Enzo qui met des médiums, lui. Ça met les hards, ça c'est intéressant par contre. Oula, il y a eu une grosse sortie de stand là, Warzat qui a pu profiter et qui a dépassé directement Basico et KVRCT. Ouais, qui se retrouve bien placé là. Oula, Pets en difficulté dans son S, et très beau dépassement encore de Jérôme sur la Ferrari. Au même endroit que tout à l'heure, Jérôme qui est vraiment très à l'aise contrairement à ses qualifications. C'est assez exceptionnel hein, ce que nous produit comme dépassement Jérôme, mais il accuse maintenant 9 secondes de retard hein, sur Alex Kart. Malheureusement, ces déboires de début de course se font ressentir maintenant. Ils ont coûté cher et Carlsson aussi hein, qui a pité hein, comme Pio. Hein, très rapidement, Pio qui avait choisi les rouges. Il faut impérativement qu'il remonte le plus possible sur Enzo. Ah. C'est pas le cas. Sur les cartes au stand. Est-ce qu'il va en profiter, Lucinho, pour aller chercher un peu plus proche Chuck? Ouais, il utilise le RS et le DRS. Il va peut-être essayer de se mettre dans la seconde hein, de Chuck, mais les Racing Point qui n'arrivent pas à s'éloigner de la Red Bull. Ah, Morzak, c'est compliqué là. Morzak, lui, qui est très bien. Hein, P4 avec les softs. Il a l'air de bien gérer sa course, Morzak. Est-ce qu'il peut prétendre à un podium ce soir, Brady? J'espère, parce que vraiment ce serait mérité. Morzak a toujours eu un très gros niveau. Le passage au volant lui a valu de rétrograder un petit peu dans le classement. Mais là, ça y est,
Il est he's back, comme on dit. He's back. et je pense qu'honnêtement, là, ça va commencer à payer, à porter ses fruits. En tout cas, il travaille beaucoup, hein, je peux en attester. Et celui carte à Midard aussi, stratégie à un arrêt pour le pilote Racing Point. Mais Morzak, lui, qui va devoir affronter Fulkoden, attention, est-ce que Fulkoden va tenter le plongeon? Ça tente, non, ça bloque les roues, attention. Fulkoden qui se place dans le... Oula! Morzak a freiné tout, là, par contre. Est-ce que Morzak a des problèmes avec ses softs? Est-ce qu'il va rentrer maintenant? Là, ça... ouais, il bloque pas mal les roues, hein, Morzak a sa... Je sais pas si t'as vu les traces de pneus qu'il y a dans ce virage-là, mais il y a pas mal de... Ouais, il y a blocage de difficultés, roues, hein. Ouais, beaucoup de difficultés de transfert de masse à ce moment-là. On doit bien le voir sur le... On doit bien le voir, ils doivent bien le voir, voilà, sur leur, ouais, sur leur dashboard, hein, que Chuck, droite, gauche, gauche, droite. Chuck Morzak qui rentre au stand, le signe qui continue tout comme Topiz. Et ça met les hard du côté de Chuck et qui fait sa pénalité de 5 secondes au stand. Fulgodan également qui poursuit, Alex Yart également, Morzak lui qui met des médiums. Ah, intéressant. Oula, par contre, Morzak... Non, c'était un bug, je crois que j'ai eu un bug. Mais ouais, non. Attends, mais Morzak, il... Et là, Nawar Zazad qui est à l'assaut de CG Pets et qui vient de le passer. Et War Zazad, du coup, qui a pu remonter sur Chuck. Exactement, qui remonte là avec ses pneus hard, qui a dépassé CG Pets de façon assez facile. Au bout d'un tour, il a bien chauffé ses gommes. Et on voit, hein, on voit qu'il fait chaud sur la piste, hein, parce qu'on a des reflets... de chaleur, et c'est peut-être pour ça que les hards ont été privilégiés par les pilotes par rapport au médium. Ils se sont dit là, franchement, vu l'usure des pneus, dans les conditions d'aujourd'hui, encore une fois, hein, les conditions climatiques et le taux d'hygrométrie n'est pas toujours le même, donc forcément ça impacte sur les pneumatiques. Et c'est intéressant, la stratégie, en tout cas, c'est très intéressant. Oula, et on a le spin de Kvyat Kvyat qui a spin, malheureusement, qui a perdu pas mal de temps, et les McLaren qui sont relégués P14 et P15, alors que Enzo lui va tenter le dépassement sur Basico pour s'adjuger la P12, c'est fait. P12 pour la Haas, alors que y a une bataille entre Chuck et Jérôme, les... Oula, Jérôme, le speed. Le speed de la Williams. Ah, il perd beaucoup de temps, il perd beaucoup de temps. Aïe, 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 attention, ça passe, il y a du monde qui arrive. Oh, attention, attention derrière. Oh là 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 là. Oh, Basico et Enzo qui ont... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On est... C'est passé à ça de ma mère, ça va, maman. Oh bordel de merde. Oh la vache. Oh, ils ont dû serrer les fesses. Oh la vache, il y a des traces de pneus, mais c'est pas sur la piste que ça s'est passé là. Oh, c'est terrible là ce qu'on a. Oh là 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 là, mon Dieu. Difficile, hein, difficile là pour Jérôme. Là, c'est dommage, il était bien, il avait un bon rythme. Et là, ça s'effondre. Et salut Triff, salut Zomax, j'espère que vous allez bien les gars. Salut The Gary King, j'espère que ça va. Bonsoir Gary King qui est là. Il vient nous faire un petit coucou, le caster de la VMV du côté PC. Eh oui. Alors je parle comme ça quand je parle de lui, parce qu'il parle un peu comme ça. Et il a une voix très, très grave, hein. Il a une voix qui porte, et en tout cas on le remercie de faire un petit coucou. C'est passé à un poil de Huck, dit Bastoun. Ouais, bah là c'était. Bah là, c'est Safety Car, c'était par contre. Chaud, hein. C'était la réédition de Bouzam en Australie, là c'était pareil. Là, c'était, ouais. Et du coup, KRCT dans son spin a cassé son aileron. 19% de dégâts sur son côté gauche. Aïe. Mais attention là, Jérôme Pierre vient bien sur Basico. Qu'est-ce qui se passe, Basico là? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est en difficulté, le pilote Red Bull. Jérôme qui va rentrer, ouais. Ça va sans doute mettre Jérôme qui va rentrer, les hard. Ouais. Ça va sans doute mettre les hard pour Jérôme. On va voir ça tout de suite. En tout cas, vu que dans la situation dans laquelle il est, ça serait la situation la plus, la plus safe. Mais il met des softs. Il met les softs. Ouais, puis là,
Il vient de passer au stand, il a pris une canette de Red Bull là, depuis les tribunes. C'est pas sympa, les mecs. C'est pas sympa. On jette pas les canettes de. Eh oui, il a mis des softs. Il reste quand même 15 tours. Stratégie à deux arrêts, j'imagine, ouais, pour Jérôme qui va faire un double soft pour la fin. 3 secondes de pénalité pour Guadrax et Carlsen. Et oui, ça va commencer les pénalités. On est à la moitié du Grand Prix. On en a déjà quand même pas mal de pénalités. Je vais te faire un petit point pénalité pour la peine. On a 3 secondes pour Sulicar, 3 secondes pour Kuk, 6 secondes pour CGP, 6 secondes également pour Guadrax qui vient de se faire doubler par Enzo qui a 3 secondes, Basico 3 secondes et 6 secondes pour Calçade. Donc les deux pilotes AS qui ont des pénalités, les pilotes Renault qui n'ont pas Bouzam. Et la plus grosse pénalité pour la tête de la course, bon, hein, pour le moment, c'est CG Pets avec 6 secondes à la 8e position avec la Ferrari. Et d'ailleurs, en parlant de Pets, il a des problèmes avec ses médias, mais il est toujours pas rentré au stand. Est-ce qu'il va choisir ce moment pour aller rentrer au stand? Toujours pas pour Pets. On va voir ça, mais non. Alex Kart qui se fait dépasser. Qu'est-ce qui se passe avec Warzazat là? Kart, il a quitté le problème de. Ouais. Ça va. C'est pas une. Il va pouvoir. Malheureusement, il va perdre du temps. Malheureusement, contre, il va perdre du temps. Sully Kart qui vient. Il vient de dépasser Alex Kart, mais il a perdu pas mal de temps sur Alex Kart. J'ai l'impression Sully Kart puisque Lucinho lui est juste derrière. Et Pets qui reprend 3 secondes de pena. Ah ouais, Lucinho, ça va faire ses affaires. Oula, ça, oui, ça patine des roues en plus pour l'ex-cart et il va pouvoir aller chercher peut-être même Sully Kart puisqu'elle est très très longue, hein, cette ligne droite. Il va pouvoir se rapprocher. Il va pouvoir se rapprocher tranquillement puisqu'il est en médium en plus, hein, Lucinho. Et oui, en médium, ça, en médium tout neuf. Hein, donc il est 13 tours d'Alex-cart. Là, ça lui joue des tours et même en ligne droite, hein, on le voit. Hein, la qualité de la gomme, on voit les traces de pneus effectivement là sur ce virage où qui sollicite énormément le train avant gauche et les pneus qui passent là sur cette partie du circuit, la dernière partie du circuit qui chauffe énormément. Donc et Warzat qui gêne un peu tout le monde du coup dû à sa déconnexion. Chuck qui reprend 3 secondes de pénalité. On le disait, hein, fallait pas prendre votre pénalité, mais Chuck il en prend beaucoup et ça lui coûte son Grand Prix actuellement. Ah, c'est dommage. Oula, attention. C'est dommage. Ouais, Pets qui est passé P9 du coup. Guadrax qui est là aussi. Mais bon, Zazat hein, qui se fait pressant. Ça pite pour Pio. Pio qui rentre au stand. Ouais, il va mettre des médiums très certainement pour finir la course. Ouais. Je vois ça rentre pour Carsan. Bouzam qui met des rouges. Il met des rouges, Pio. Ah ouais. Okay, stratégie de arrêts aussi. Il est déjà rentré Pio. Hein. Il met des rouges Pio. Ouais. Là, c'est déjà son deuxième arrêt à Pio. C'est bizarre qu'il mette des softs. Ouais. Alors il y a Jérôme là qui va attaquer sur Bouzam. Le duel Renault dans le S. Il faut. Ça c'est compliqué tente. D'attaquer ici hein. Ça tente quand même. Oula, attention à l'accélération du côté de Jérôme. Mais ça va passer à l'intérieur. Il attend même pas le DRS. Attention, parce que ça pourrait lui coûter le DRS, justement. Est-ce que c'est Bouzam qui l'a récupéré ou... Ah oui, Bouzam l'a récupéré. L'a récupéré. C'était pas une bonne. Non. C'était pas, je crois pas que ce soit une bonne opération qu'il ait fait là-dessus, là. Hein. Bah non, parce que du coup, c'est... Jérôme, il aurait peut-être dû attendre. Exactement, c'était plus judicieux d'attendre et de pas se mettre dans cette zone de DRS puisque si Bouzam maintient le rythme, hein, il va pouvoir rester en dessous de la seconde et puis justement bénéficier systématiquement de cette zone de DRS, de soulager ses pneus également et Jérôme, lui, de les solliciter. Ouais, c'est... Et un autre duel, hein, précipitation peut-être. Un autre duel, Williams-Renault qui fait rage, mais cette fois-ci un peu plus haut dans le classement entre Morzak et Full Golden. 3 dixièmes d'écart seulement entre les deux pilotes. Et attention, on entame le S. Et Full Golden qui l'a beaucoup mieux pris que Morzak. Morzak qui finit mieux quand même.
Il y a Chuck hein, qui a toujours ses pénalités. Et ouais. Ouais. Et puis on a que deux pilotes en rouge maintenant hein, sur la piste, donc ça confirme ce que tu disais sur l'abrasivité de la piste et, ouais. Et du bitume hein, là-dessus, le tarmac doit être assez. Allez, faut en même temps, il fait chaud et puis c'est vrai que comme j'en parlais tout à l'heure, hein, il y a les d'autres catégories qui courent dessus, donc ça doit quand même assez abîmer le revêtement. Et là, Sully Kart qui n'arrive pas à s'éloigner hein, de Lucinho. Carson qui prend 3 secondes de pénalité. Alex Kart qui est bien d'ailleurs. Et qui rentre au centre d'ailleurs. Il rentre au stand sans doute pour mettre des softs. Ouais, comme Basico et Bouzam, ça va être Kev, les pilotes qui vont devoir forcément piter. Voilà, les softs. J'ai un doute sur les rouges, moi, quand même. Oh, on se tourne aussi, quand même, je pense. En tout cas, pas pour Alex Kart, hein, mais j'ai un... Quoique, non, ça fait... Non, je pense que ça 17, va faire, ouais, ça devrait... Oula, Basico qui... Peut-être pour Jérôme. Qui va c'était lui qui continue... Et Jérôme qui continue un petit peu sa remontée, hein, qui va maintenant peut-être aller chercher la P11. Et même, pourquoi pas la P10. Attention, Kéver, c'était qui a pris très large là. Et Jérôme à l'accélération qui va tenter sur et la Jérôme McLaren. Magnifique. Ah, magnifique l'extérieur de Jérôme à la vitesse. Ouais, car c'était complètement largué là dans ce S là. Il n'y est plus du tout. Ouais, mais il a plus de pneumatique. Hein. Il a plus de. Et drapeau jaune, secteur Jérôme 2, c'est Morsac. Aïe. Non, la Renault de Morzac, tout comme son coéquipier qui a spin. Et on voit l'usure des pneus. Eh oui. On voit l'usure des pneus là. Eh oui, ça y est, à 11 tours de l'arrivée, on voit vraiment les différences de stratégie. On voit Jérôme qui remonte à fond les ballons, mais il reste 10 tours. Rien n'est joué encore, mais là, c'est vrai que les stratégies. Attention là, derrière à l'AlphaTauri, à la McLaren là, de Kev qui va passer sur Warzazat. Ça passe gentiment. Et Jérôme qui est de retour dans le top 10 du coup. Avec ses softs. Il faut voir si ça tient. Alex Kart aussi hein, qui va attaquer sur Guadrax. Qui est en hard. En plus avec 7 tours. Voilà, ça promet quelques batailles intéressantes dans les tours à venir. Lucinho lui de son côté est toujours sur Sully Kart. Et Sully Kart qui a l'air d'utiliser son ERS mais qui n'arrive pas à se détacher. De Lucinho et qui va peut-être même pouvoir attaquer sur ce tour-là. Sully Kart qui reprend en plus. Ah ouais, Lucinho qui joue vraiment sur le mental de Sully Kart là, qui le pousse à la faute. Ouais. Très bonne gestion de la part de Lucinho. Oui. Il est bien dans ses pneus, il sait que devant la fenêtre de tir est dans 2-3 tours. Il va aller la chercher, il va aller la chercher. Oula, attention, décalage de Sully Kart. Ça va tenter l'extérieur. Mais oh là là il y a une fois, ouais, c'est dangereux ça. Ouais, c'est dangereux de se rabattre comme ça. Bien, celui carte qui monte ses roues, mais pas de la bonne façon. Hein. En tout cas, Monsieur Lusignano qui a bien compris, qui reste derrière, qui va attendre que celui carte continue à surconduire un petit peu et puis à prendre des pénalités. Bah, Lusignano qui en prend très rarement. Hein, il faudrait que je passe à un autre sujet beaucoup pour d'erreurs. Qu'il en prenne pas. Ouais, beaucoup ouais, d'erreurs du côté de Sully Kart. J'en parle, il va en prendre une, ce serait pas bon. Mais ouais, beaucoup d'erreurs et puis une mauvaise gestion du train arrière, on dirait, en ce qui concerne les réaxels. Ouais. On va continuer à les suivre hein, parce que malheureusement, c'est un peu la seule bataille qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'écarts qui se sont créés. Mais attends, Alex Kart, comme je disais, qui est en train de revenir à pleine balle. Sur Guadrax, il était à 3 secondes tout à l'heure, il est plus qu'à 7 dixièmes déjà. Guadrax, il va devoir céder le terrain, je pense, à Alex Kart dans ce tour-là. Eh oui, c'est les pneus rouges. Les pneus rouges. Et puis en plus, Alex Kart est très bien parce qu'il n'a pas de seconde de pénalité. Il y a une as. La as de Carson dans l'herbe qui a perdu même l'aileron. Le spin. Aïe. C'est la fin. Voilà, Carson qui a 9 tours. Ouais. Qui connaît vraiment un grand prix très compliqué. 9 tours de l'arrivée, c'est compliqué. Effectivement, il a cassé l'ailette à droite, donc il va devoir passer
sûrement au stand, ou alors il va continuer comme ça, mais je pense qu'il va piter pour... Ouais, c'est très large, ouais, non, je pense qu'il va être obligé de rentrer, hein. Il va même pas pouvoir, je pense qu'on va rentrer au stand, voilà, c'est parfait. Ouais. Et on va suivre la manœuvre de l'Alpha Tauri, d'Alex Kart sur Guadrax, et Carson qui abandonne très logiquement, malheureusement pour Carson, ce n'était pas son Grand Prix. Et Alex Kart, lui, de son côté, lui, il passe P7. Et Lucinio qui vient de dépasser Sully Kart. Oui, c'est un abandon pour Carlsen. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant pour Lucinio et Sully Kart. Eh oui. Parce qu'en plus, il a plus de RS, hein, Sully Kart. Oh, mais qui va plonger. Non, il... Oh là là, c'est osé. C'est très osé, hein, de la part de Sully Kart, là. Surtout qu'il... Oh là 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 là. Pas très... Oh là là, il va reprendre des secondes, il va reprendre des secondes, il va reprendre des secondes. On est la Socios qui nous dit dans le chat, toujours aussi agressive la voiture rose. Et apparemment, ouais. Apparemment, la méthode de conduite est toujours la même. Là, les pneus vont commencer à pouvoir être, à pouvoir délivrer un peu plus d'aisance. Mais Monsieur Lucinio qui fait bien de rester derrière, le jeu des pénalités lui est favorable. Je pense qu'il a pas envie de casser. Il va le redépasser là tranquillement. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait comme décal là, le Sully Kart là, ouais, mais je comprends pas. Non, non, non. Oh, ça roule vraiment très très mal, hein. Ouais, non là ça c'est puis pas c'est... top. Là. Là, franchement on a. On le répète, hein, c'est un changement de trajectoire. On n'avait pas le droit de vous rabattre après. Ouais, là, il y en a eu deux, on est après d'accord. Avoir doublé. Hein. Ouais, mais à chaque ligne droite, j'ai l'impression. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il fait ça pour que Chuck puisse revenir, j'ai l'impression. Puisque Chuck, il est en train de revenir à une seconde 8 là derrière. Mais c'est pas très fair play. Ouais, hein. Chuck a des pénalités aussi. Les deux ont des pénalités. Chuck a 6 secondes, hein. Et Sully Kart aussi, 6 secondes. Ah, c'est pas, on a pas un beau visage. Hein. Bah, sur cette course, c'est... Non. Bah, comme en Autriche, hein, malheureusement, ça se répète un petit peu, hein, du côté des Racing Point. Le coup du dragon x1000, ouais, je dis là, c'est plus un coup du dragon, là, ce qu'il nous a mis, là, c'est... La seule chose, c'est le vainqueur du tirage au sort hier du... du sub-goal. D'ailleurs, n'hésitez pas à rester hein, pendant l'interview, puisqu'on va procéder également pendant ce... Cette fin de course, on va procéder à ce tirage au sort qui vous permettra de remporter un sub de la VMV. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Exactement. Pendant l'interview. Exactement. Puisque ça sera pendant l'interview qu'on procédera à ce tirage au sort. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et puis là, on va pouvoir observer peut-être le dépassement. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ouais, là, celui qui a un sauvement, là. Il y a un bout d'élite qui a volé, là. Oh, ouais, ouais non, mais oui. Bah, ouais, c'est celui carte qui a pété l'aileron. La Red Bull a l'aileron cassé, là. C'est honteux ce qui vient de se passer, par contre. C'est honteux. Celui carte qui a détruit la course intentionnellement de Lucinio. Ouais. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, là c'est clairement abusé hein, de la part du pilote Sully Kart, hein, du c'est pilote honteux. Racing Point qui avait absolument pas besoin de défendre de cette façon-là. Ça va obliger sûrement c'est Monsieur Lucinio à pit. Se passer. Et ben voilà. C'est honteux. Ça a détruit la course de la Red Bull. C'est honteux. Sully Kart qui devra être sanctionné pour ce fait de course parce que c'est sanctionné. Ouais, c'est honteux. Je pense que la commission disciplinaire va voir les images et bien se rendre compte que là sur ce coup-là, le grand perdant c'est Lucinio hein, qui c'est va. C'est dégueulasse. Au stand. C'est dégueulasse. Lucinio faisait une très belle course. Ouais, il se fait passer, il passe en 7e position, il va ressortir derrière Morzak, il va. C'est honteux. Il va passer en 8e place le pilote Red Bull. Le problème, est, c'est toujours un petit peu la même chose sur ce genre de comportement. Les pilotes vont être sanctionnés, mais en attendant, M. Lucinio, sa course, elle est ruinée. Donc, c'est un petit peu dommage là, ce qu'on a vu. On n'est pas habitué à ça, pour être franc. Mais nos chers amis, on a rarement assisté à ce genre de move dans la VMV. Je pense que bon, Monsieur Lucinio va porter réclamation, mais je pense qu'il ne sera pas le seul. Pour l'instant, ça n'a pas provoqué
ça aurait pu provoquer une safety virtuelle, hein, on l'a vu hein, sur les images, la voiture qui est partie, qui a failli partir en carrément contre le rail, hein, la voiture de la Red Bull. C'est totalement débile, surtout qu'en plus il a des pénaf, hein, c'est vraiment se foutre la gueule du monde, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais là, désolé, hein, mais je suis totalement énervé de ce que je viens de voir, je comprends pas pourquoi il a fait la même en Autriche, c'était sur Bouza, mais là, pareil, sur Lucinho, en pleine ligne droite, il l'a fait trois fois, malheureusement, la troisième fois, ça a été fatal pour Lucinho, il lui a carrément cassé son aileron, c'est tout simplement dégueulasse, puis en plus, la côte de Chuck est complètement... Bobinable, j'ai l'impression là. Oui, là, ça se TP. Ça m'étonne pas de voir une déconnexion de Chuck dans quelques instants là, parce que là, sa connexion est en train de lâcher. Ouais. Mais là, ce Vicard, c'est honteux, très franchement. Ce n'est pas l'esprit VMV, ce Vicard, en tout cas ce soir, ça c'est clair. Être rapide, oui, mais être propre, c'est mieux. Et Jérôme, lui, qui prend le meilleur tour. Eh oui, ça change rien, la course de Monsieur Lucinho, malheureusement. Enfin, ça change rien, ça change tout. Mais le fait d'avoir un... Ah, il a hésité, hein. Il a hésité, Monsieur Lucinho, à doubler. Finalement, il n'aurait pas dû, mais c'est dommage. Un coup, il s'est mis à droite, un coup, il s'est mis à gauche. Ah, et Topis qui va nous faire le fameux coup... Il va aller chercher le meilleur tour. Et voilà. Il nous l'avait dit, la stratégie à deux arrêts pour finir sur des softs. Il va ressortir devant en plus, hein, sous les cartes, je pense. On espère pour lui. Parce que sinon, sous les cartes ne vous... Ah ouais, parce que... Aïe, je crois pas. Non, si, c'est bon. Mais de toute façon, aux pénalités, bon, il serait passé. Non, ouais, mais c'est bon. De toute façon, c'est surtout que bon voilà que l'intégrité de la monoplace ne soit pas et du pilote soit pas. Ah bah non, il peut rien faire aussi Nino, sur ce qu'on a vu. Un coup il se met à droite, un coup il se met à gauche. Ouais. Malheureusement, normalement. Ouais, il prend le meilleur tour. Il prend le meilleur tour, Luis Nino. Topis va sûrement le reprendre. Enfin. Et Bouzam qui passe voir Zaza. Ah bah non, il va pas le rattraper, bah non, Topis il va aller chercher son meilleur tour tranquillement, ça c'est et clair. Là, on a des écarts qui se forment là, de plus en plus. Mais surtout que là, il fait pas la même à Chuck, c'est vraiment... Oula, mais ça s'est touché, Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Ah, honnêtement, je comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Là, ils sont en train de ruiner leur course, de ruiner la course de tout le monde, là. Ah, c'est assez étrange, là. C'est assez étrange, là, ce qui se passe. C'est paranormal, là. Non, mais... Les deux ont quand même pas mal de pénalités. On fait le point pénalité. Celui qui a 6 secondes. Chuck qui a 9 secondes. Full Golden qui est trop loin. Non, qui est trop loin, mais qui a 3 secondes. Alex Karp, qui éventuellement, s'il revient fort. Mais il a Monsieur Lucinho qui est derrière. Qui a des pneus plus frais et qui va le doubler au DRS là, sur la grande ligne droite. Monsieur Lucinho qui va essayer de prendre le meilleur temps sûrement. Voilà, ça va passer sur la petite sœur AlphaTauri. Voilà un dépassement dans les règles. Voilà. Comme on aimerait les voir sur le reste de la course, parce que jusque là on est un petit peu refroidi. On va quand même se reconcentrer sur les autres pilotes qui nous livrent quand même toute leur énergie. On les remercie pour ça. Alex Gard qui essaye de pas lâcher, Lucinho qui remonte. À fond les ballons, on voit hein, les chronos qui s'effondrent pour Full Golden qui doit commencer à se dire ça sent bon pour moi. Ça sent bon pour moi. Et merci du resub, Bastoun. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir, merci Bastoun. Ah, qui est un très très bon commentateur, Bastoun. Hein. J'ai commenté tout à fait. Franchement, je me suis régalé son expertise technique. Les fameuses Force India, hein, ça on s'en souvient.
Ah, la fameuse Force India. La fameuse Force India, malheureusement, Bastoni, il était un petit peu en retard. Hein. Ah là là. Et Topis qui prend le meilleur temps, hein. Oui, Topis qui prend le meilleur temps, monsieur Luis Digno qui va essayer de le prendre à son tour pour au moins grappiller un point. Puisque pour l'instant, bah, écoutez, il était bien placé pour passer les deux Racing Points. Ça n'a pas été possible. C'est pas mérité cette P5 en tout cas. Non, c'est pas du tout mérité. On en parlait avant la course. Moi, je suis désolé, hein, mais je reste dégoûté sur ce qui vient de se passer puisque. Là en plus ils font les marioles devant faire je sais pas quoi, enfin c'est irrespectueux ce qui est en train de se passer ce soir là du côté des Racing Point, franchement je comprends pas, c'est un manque de respect pour vous, pour nous, pour Lucinho, enfin c'est dégueulasse. Et toi, drapeau jaune, c'est une McLaren, c'est Kvyaty dans l'herbe qui nous fait don de ses talents de tondeuse McLaren. Ah, les tondeuses McLaren, elles sont très, bah, alors elles sont de très très bonne qualité. Très très bonne qualité. Ouais. Là, on vient de voir, la pelouse vient de se faire tondre en moins de 2, c'était magnifique. Il y a Jérôme qui revient sur Pio en parlant de McLaren. Et qui, mais Jérôme qui adore ce côté du tracé hein, pour nous gratifier de magnifiques dépassements dans sa Williams. Ah, à chaque fois, on parlait des points forts sur les réglages, sur les setups. Ah, très à l'aise. Bah, c'est son point fort. Hein, Très à l'aise. Très, très à l'aise, notre ami Jérôme. Et Pio qui va peut-être aller le rechercher. Et Chuck qui reprend 3 secondes. Non, il n'aura pas au freinage. Jérôme a été plus fort. Allez, Lucinho qui va aller chercher la P4 avec panache et puis même peut-être la P3 du coup. Attendez, mais oui, il va peut-être aller chercher la P3. Eh oui. Lucinho. Allez, va chercher. Oui, c'est ce qu'il s'est mis en tête. Hein. Parce que Chuck a 12 secondes de pénalité actuellement. Allez. Il peut aller la chercher, cette P3. Il a full gunner devant lui, il est en soft, Lucinho en plus. Il va attendre tranquillement d'avoir le DRS. Ça va tenter le dépassement. Oh non, full gunner qui va avoir le DRS aussi du coup. Ah non, il l'a pas, j'ai eu peur parce qu'il y avait Warzaza devant lui. Voilà, du coup Lucinho maintenant qui est P4, même peut-être P3 provisoire. Faut qu'il fasse l'effort maintenant pour aller chercher cette P3 qui lui tend les bras maintenant alors que Pio vient d'abandonner. Oh, l'abandon de Pio à la fin du S. Ouais. On va avoir les images avec Basico. Ah oui. Il a cassé le... Oui, il a cassé malheureusement sa roue, c'est un spin. C'est le spin de Pio et plus qu'un représentant du côté de McLaren et nous sommes dans le dernier tour. Non mais c'est une blague. Ouais, il a bien cassé. Attendez. Attendez, non mais là c'est une blague. Non bref, je vais pas commenter plus que ça là. Mais, Sulicard qui a laissé passer hein, Chuck. Sulicard qui a laissé passer Chuck. Eh oui, parce qu'il a 12 secondes, Chuck. Il a 12 secondes. D'accord. Est-ce qu'on en... s'est autorisé ça ? Bah, dans la mesure où. Oui, c'est autorisé, c'est les consignes d'équipe, mais dans la mesure où il ne gêne pas un autre pilote, oui, c'est autorisé. Allez, Lucinho qui met plein gaz. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher cette P3? Est-ce qu'il va pouvoir aller la chercher? Il y a aussi Jérôme. Jérôme qui va s'attaquer à Petz aussi. Jérôme qui va peut-être aller chercher cette P10. Qui va même aller la chercher Petz qui a 15 secondes de pénalité. Malheureusement, Petz qui aura fait une bonne course. Et Topiz qui gagne. Magnifique victoire une fois de plus de Topiz hein, qui mérite. Superbe victoire ouais, de Topiz, bravo à lui.
qui mérite, et Suicard qui reprend 3 secondes de pénalité. Les drapeaux jaunes secteur 3. Et est-ce que Lucinho, alors Lucinho il va être où Lucinho? Il va être P3, voilà. P3 Lucinho. Au moins il monte sur le podium, c'est... Il a failli passer la P2 moindre... à 8 dixièmes. Mais ouais. Il mériterait cette P2 en tout cas. Mais c'est une interview où mon radis va s'annoncer très croustillante, je pense. Je pense, parce qu'on va voir Suicard et Lucinho dans la même vocale. Je pense qu'on risque d'avoir. On risque d'avoir quelques insultes qui vont partir, je pense. Ah, ce serait dommage si c'est le cas. À ce moment-là, on fera une interview dissociée, pourquoi pas. Je sais pas. Mais là, ça va être salé, je pense. Est-ce qu'on en profiterait pour faire notre tirage au sort, mon cher Brady, avant de commencer l'interview? Exactement. Le temps que je reprenne la commande. Allez, Morzac, P7, GG, hein, Morzac. Le giveaway, hein. Alors, le giveaway, rappelle-nous ce que rapporte la personne hein, qui gagne. C'est pas une carte. Une carte PSN, mon cher Brady? Ah, il me semble qu'aujourd'hui c'est un sub hein, comme hier. C'est un sub. Bah écoutez, ouais, 3, comme hier. 2, 1. Bah, c'est la socio. Oh, la socio. Mais c'est pas possible, c'était lui hier. La socio, ce qui remporte. Une fois de plus. Mais non. C'était lui hier. C'est incroyable. Mais pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Mais non. La socio qui retombe dessus. C'est exceptionnel. Mais non, combien on est là? On est 18, faut que ça tombe sur lui. Mais non, mais non. Mais ce mec doit jouer au loto. Ce mec doit jouer au loto. C'est clair. GG c'est la clair. Socio. Et puis il va pouvoir passer, je pense... Ouais. À l'interview, on va attendre que tout le monde arrive. Il y a Topis qui est là. Mesdames et messieurs, accueillez très chaleureusement le vainqueur. Le vainqueur Topis. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, c'est à toi qu'il faut demander ça. Bah j'ai refait le truc d'Australie, sauf que je m'attendais pas à ressortir devant eux. Ouais. Mais c'est surtout pour avoir. Enfin, pour récupérer le fastest lap quoi. Ouais. Donc j'ai pu faire ça tranquillement avant que le bot de Warzazat me provoque des dégâts d'aileron. Ah. Avant un freinage. Alors j'ai un bout d'aileron orange pendant mon fastest lap avant la grande ligne droite. D'accord. Je pourrais envoyer le record, mais je pense pas que ce soit de sa faute, donc je porterai pas réclamation. Il a été déco pendant quelques tours avant la fin de la course. Ah, okay. On l'a vu, hein, sa voiture malheureusement, je pensais une déconnexion involontaire et sa voiture. Après c'est vrai que c'est toujours dommageable. Ouais, j'avais déjà subi ça. Ouais. J'avais déjà subi ça pendant la course All-Star en Autriche. C'était le bot de Alex Gart, je crois. Ouais, ah. C'est ça. Ouais. Bon après ouais, pas les bots sont pas tes amis. Ouais, c'est ça. En fait, les bots sont pas tes amis. Ça n'a pas trop gêné ta course dans la mesure où t'as quand même fini P1 très largement, donc. Ouais, t'as dominé. Moi, je fais le plein alors que. Enfin, faut que je prenne quand même des points pour le constructeur vu que notre Sinai il était absent ce soir, donc c'est bien. Et puis, bon, on va accueillir Sullivan, du coup. Le deuxième de cette course. Salut, Sulicart. Salut. Comment ça va? Bah écoute, bien et toi? Bah écoute, ça va. Hein. Contrairement, je pense, à l'aileron de. Bah de justement, je voulais te poser la question si t'avais vu l'action ou pas. Ah oui, on l'a bien vu, on l'a tous vu, mon cher. Et c'est moi qui me suis décalé? Ah bah tu t'es décalé 3 fois, donc forcément, au bout d'un moment, pour le signe. Le problème, c'est que c'est surtout que c'est pas. C'était surtout que tu l'as fait plusieurs fois, quoi, à plusieurs tours. Donc c'était, et je pense que ça a perturbé notre cher Lucinho. Donc malheureusement,
Malheureusement, ça lui coûte un aileron. Bon, il arrive quand même à retrouver la P3, mais... ouais, de toute façon, mais même, c'est quand même pas normal. Bah, de toute façon, je vais être sanctionné, alors... Je pense que tu vas être sanctionné. Parce qu'effectivement, bon, la règle, hein, on la rappelle, hein, c'est un changement de trajectoire quand vous allez vous faire doubler. Et là, effectivement, il y a eu plusieurs changements de trajectoire sur plusieurs tours. Donc, c'est vrai que c'est un circuit qui est propice au dépassement à cet endroit-là. Et voilà. Donc, c'est un petit peu dommage pour Luisinho, qui, malgré tout ça, malgré les difficultés qu'il a rencontrées sur cette course avec le DRS2 Racing Point, a quand même signé une troisième place. Salut Luisinho. Ça, c'est pas mal du tout. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Luisinho? Franchement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit qu'il aimait zigzaguer un peu trop. Et puis voilà, c'est passé. Mais faut jamais regarder la vidéo parce que ça peut être sa faute comme la mienne. Non. On l'a vu à l'image et malheureusement, c'est il s'est décalé une fois, deux fois, puis trois fois, puis la troisième fois, t'as voulu passer sur la troisième fois, sauf qu'il s'est décalé au dernier moment et tu t'es tapé. Tu t'es tapé sa F1, mais c'était pas. Il t'avait déjà fait plusieurs tentatives et il a fait. Ah ouais, c'est ça. Il a fait des dive bombs, il a fait pas mal de choses, lui, celui de carte, donc. on a tout vu, donc je pense c'est que. Hein? C'est ballot. C'est ça. C'est ballot, voilà. C'est dommage. Si je savais, en fait, mon plan de base, c'est que du coup, je voulais rester derrière lui. Parce qu'il avait 6 secondes, Chuck derrière, il était loin, en plus il y avait des pénalités. Mmh. Je me suis dit, tu vas rester derrière lui et puis tu vas arriver à la fin de la course, il sera devant sur les pénalités. Sauf qu'après, il y a un tour où je me suis pris un second avertissement et je me suis dit, en fait, si je commence à prendre des pénalités, il y a des choses qui finissent devant moi, du coup, si je prends autant de pénalités. Ouais, ouais. J'essaie d'attaquer un peu plus, j'essaie de passer à l'extérieur et tout. En vrai, il était à l'intérieur, il laissait la place et tout, ça allait bien. Et puis après, tour fatidique, tour 21. Mm. Et donc voilà. Mais bon, après, donc du coup, je m'arrête. Je ressors, en vrai, je ressors pas dans le trafic. Ça va, je m'en sors assez bien. Devant moi, il y avait Alex Kart et je sais plus. Full Golden. Qui était sur des gommes. Full Golden, voilà. Qui était sur des gommes un peu usées. Donc du coup, moi, avec mes softs, j'ai pu revenir. Et puis, comme j'ai pas pris de pénage, le podium à la toute fin face à Jack. Voilà. En tout cas, moi je voulais souligner ton retour un petit peu en grâce, mon cher Luisinho, puisque tu avais connu trois courses assez difficiles au début de saison. Puis là, aux États-Unis, ça s'est beaucoup mieux déroulé pour toi. Tu avais fait une bonne qualif et là, la course s'est plutôt bien passée, même s'il y a eu cet accrochage. Tu finis quand même sur le podium. Ouais. En tout cas, c'est cool de te revoir en haut. Ça fait plaisir, mon Luisinho. On avait eu l'habitude l'année dernière, et là, ça fait plaisir de te revoir en haut. Quoi. Ouais, ça fait plaisir de te retour devant, mais bon, j'ai un peu triché pour y revenir, parce que du coup, depuis le début de saison, je joue sans latrage. Et donc du coup, les trois premières courses, je les ai fait sans trage. Et c'est vrai que j'ai pas eu des bons résultats. Donc là, du coup, avec mes partiels cette semaine, j'ai pas eu le temps de vraiment traîner la piste et je me suis dit ça sert à rien de venir sur un circuit que je connais pas du tout sans trajectoire pour finir à Nice. Du coup, j'ai remis la trage. D'accord. C'est beaucoup plus simple, mais ça fait quand même plaisir de revenir. Ça faisait longtemps. En tout cas, GG, est-ce que Brady, tu as des choses à souligner peut-être? Non, je ça rejoint ce qu'on disait en début de retransmission sur monsieur Luisinho, que j'ai eu le plaisir de côtoyer ce week-end. Je pense que ce week-end, t'as été assez profitable en termes de confiance. T'as signé une superbe deuxième place sur une ligue, sur une course qu'on a suivie de très près, qui n'était pas facile. Et je pense que ça, pour la confiance, ça a dû te remettre en selle après ton titre de l'année dernière. Je pense que c'est important aussi de bien rebondir. Là, il y a eu des choses qui sont passées, qui seront jugées plus tard, mais en attendant, je tenais à te féliciter pour ta très belle remontée dans les derniers tours, et c'est ça qui fait la force, la force d'un bon pilote. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup.
Et ben dans ce cas-là, on va en terminer ici. Merci d'être passé. Encore GG pour votre course, les gars. Ouais, GG à tous. GG Topiz, encore une fois. Et puis. GG Sumi. Merci. Ouais, bien joué à toi aussi, Louzi. Bien joué à toi aussi. Merci pour le cast. Et bah, de rien. Avec plaisir. De rien. Ça va, c'était pas. Il y a eu du spectacle. Waouh, t'inquiète, comme d'habitude. Oui. On n'est jamais déçus, les gars, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, nickel. Et bah, écoutez, on va se laisser ici, mes amis. Merci d'être passé. Puis, bonne nuit. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça. Yes. Prochaine à Monza. À Monza ? Bien. Allez, à Monza, ouais. Ouh, à Monza. Et mardi prochain, à Monza, il pleut. Ah ! Il pleut mardi prochain à Monza. Je viens de voir la météo. On va voir. Ouais. Donc. Ça risque d'être. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je regardais les prévisions justement pour voir un petit peu où ça en était sur Monza. Et là. Il y a 90%, 90% de chances qu'il pleuve. Ouais. Pour l'instant, hein, donc ça peut changer. Mais bon. Monza sous la pluie, ben, on l'a fait ce week-end, hein, il me semble, non ? C'est ça. C'est ça. Voilà. On l'a fait ensemble. Et ouais. Bon, mais encore bravo à vous, hein, les gars. Belle course sur ce circuit des Amériques. Allez, ciao tout le monde. Ciao, les gars. Ciao. À la semaine prochaine. Ouais. Et puis, bah, mon cher Brady, on va se laisser ici. Ben, bah, écoute, oui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À Monza, du coup. Merci d'avoir suivi ce stream, le chat. On se retrouve la semaine prochaine, même heure à 21h. Et puis merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao les amis. Et puis passez une bonne soirée. Ciao, ciao les amis. Ciao à tous. Thank you.